Contact, c'est un mot qui peut couvrir tout un grand panel de connexions. Comme je le disais, nous avons pu observer des vaisseaux que la Fédération Galactique a mis à notre disposition, mais nous a montré pour signifier leur présence. Et il y en avait vraiment des énormes et assez bas. Donc levez les yeux ce soir et demain soir, ils sont là. Contact, c'est aussi le sujet de ma conférence, contact avec nous-mêmes. Et je souhaite vous introduire à la nature de la conscience. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Qu'est-ce que la conscience? Merci à tous et toutes d'être présents aussi nombreux aujourd'hui. Quelles sont les personnes qui sont au courant de ce que j'ai vécu dans ma vie? Levez la main. Wow. Je me disais, il va y en avoir peut-être 10. Je sais pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, Jim, je vais venir te chercher parce qu'il n'avait pas de permis de conduire. Je vais venir te chercher et tu vas venir manger à la maison. J'ai eu l'honneur que Jimmy vienne manger chez moi deux fois de suite, dans mon appartement. Et je lui ai tout donné. J'étais comme un enfant. J'avais quelqu'un en face de moi qui était capable d'écouter avec une oreille attentive. Étant donné que Jimmy, pour moi, est le plus grand des ufologues français, avec une ouverture d'esprit incroyable. Et il a vécu des choses très très folles. Il arrive à la maison, on mange, et je lui remets un dossier rouge marqué Jean-Charles dessus, expérience. Il le parcourt et il me dit, oulala, il faut que tu restes caché Jean-Charles, parce que ça va pas être bon pour toi là. Donc reste caché, mais le jour où tu sortiras, tu sauras quand est-ce que c'est le moment que tu sortes. Et quand j'ai trouvé ces cassettes, qu'est-ce que vous pensez que j'ai pensé? C'est le moment. Ouh, quel accueil! Il y a des choses qui nous paraissent un peu plus faciles, si on peut dire comme ça, à vos yeux, parce qu'il y a des choses qu'on voit et qu'on sait, notamment à travers les PSS. Pour ma part, avec l'Alliance Terrestre, effectivement, j'ai reçu beaucoup d'informations. Mais ce que je peux vous dire, c'est que par exemple, le système financier tel qu'on le connaît, il est mort et enterré depuis 2010, en fait. En fait, ils ne font que maintenir l'illusion que le système est toujours en place. Parce qu'ils ne veulent pas lâcher le pouvoir qu'ils ont avec cet argent. Mais en réalité, tout a été mis en fort clos en 2010. Les physiciens considéraient que le vide était rempli de quelque chose qui s'appelle l'éther. Le vide, pour eux, n'était pas vide. Et depuis l'Antiquité, il y avait le cinquième élément. Il y avait, donc l'éther était le cinquième élément. Et là, j'ai mis sur ce slide, j'ai mis en haut à gauche Descartes. Donc là, c'était donc Descartes, lui, déjà défendait l'éther comme Newton. Après, Newton est au-dessus, au milieu. En haut à droite, j'ai mis James Clerk Maxwell, le père fondateur de l'électromagnétisme, celui qui a sorti sa théorie de l'électromagnétisme. Et puis tout en bas, on a quelqu'un qui est venu perturber. Ça, on va voir. C'est quelqu'un qui est venu perturber toutes ces théories sur l'éther, c'est Einstein, parce que c'est Einstein, eh bien, on verra qu'il il est parti sur une autre voie qui a fait sensation à l'époque avec sa relativité générale, mais c'était une voie totalement qui remettait en cause tous les acquis. Et donc, en fait, toute la problématique, toute la compréhension de l'univers revient à cette question, c'est quoi le vide ?
Comment j'ai été impliqué dans le mouvement de la divulgation? En 1969, j'étais titulaire d'une habilitation de sécurité trop secret de haut niveau dans les communications navales et j'ai reçu un message codé prioritaire classifié secret destiné au chef des opérations navales provenant d'un navire au large des côtes de l'Alaska faisant état d'un engin discoïdal de 21 mètres émergeant à l'eau bâbord et filant dans l'espace à plus de 12 000 km à l'heure selon le radar du navire. Sachant que cela était réel, je me suis demandé pourquoi nous n'avons pas eu de divulgation. L'histoire peu connue, mais vérifiable pour ceux qui font des recherches, est la suivante. En 1954, le président Eisenhower a rencontré la Fédération galactique des mondes qui l'a averti des Nébous, gris trompeurs qui se trouvaient dans notre système solaire et de ne pas leur faire confiance. Eisenhower, d'après les témoins présents, avait prévu une divulgation publique à la télévision et à la radio en mai de cette année-là. Le MJ-12 contourne Eisenhower et signe un traité avec les gris nébous pour leur permettre d'abducter nos citoyens et leur donner des installations souterraines en échange de certaines technologies. C'est un rendu d'artiste. Je suis en train de travailler pour montrer ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, parce que mon travail était donc ingénieur cargo. Donc, je ne pouvais pas aller ailleurs dans le vaisseau, mais je restais donc dans les baies d'embarquement. Et c'était l'endroit où je travaillais. Donc les 2 ans et demi, je suis resté là. Voilà le vaisseau, donc il est invisible au radar, il est assez sympa, en métal. On faisait pas vraiment du commerce avec les civilisations, on prenait avantage sur les civilisations moins évoluées que nous. Donc on allait leur piquer des trucs. Les missions n'étaient pas des missions d'exploration, donc c'était pas merveilleux. Il fallait juste acquérir à tout prix des technologies. Mais en fait, quand je dis à tout prix, on volait. On faisait des missions assez agressives. On essayait de négocier un peu tout ce dont on pouvait prendre avantage. Il fallait juste acquérir des technologies. Donc, il fallait gagner de la vitesse sur les autres technologies extraterrestres. Donc cette corporation, donc cette société, c'était un endroit souverain. Il fallait absolument avoir des technologies beaucoup plus avancées par tous les moyens possibles. Sur les vaisseaux, c'est les enseignements idéaux qu'on voudrait tous pour nos enfants ici sur la Terre. Mais ça s'en vient. Les enfants sur les vaisseaux vont aller vers des enseignements qui vont avoir le goût d'apprendre. Rien d'imposé. Tout va être fait de façon en cohérence avec que tout est énergie, fréquence et vibration. Un coup là, qu'on a compris ça, même ici, que tout est énergie, fréquence, vibration, il y a bien des choses qui peuvent changer puis qu'on va regarder les choses vraiment différemment. Les enfants vont apprendre à maîtriser leur énergie. Des fois, il peut y avoir des petites choses qui se passent que c'est bien drôle. Parce qu'ils peuvent faire de la télékinésie, puis ils vont faire bouger une boule, exemple, et ils ne savent pas trop maîtriser cette énergie-là, et fiou, la boule part de tout bord, de tout côté, d'en face de l'enseignant. Là, toutes les autres, ben, ils vont se mettre à rire, évidemment. Hein? Les enfants aiment bien ça, ces trucs-là. Et il va arriver que des enfants qui vont avoir des capacités plus développées que d'autres vont même, les enfants vont enseigner aux autres comment mieux maîtriser leurs capacités. Le 21 septembre 2021, JP parle d'une mission qu'il a réalisée. Et il dit, tout d'abord, on lui a dit, par un Nordique lui dit, qu'il devait se préparer car très prochainement, il allait aller sur Ganymède pour aller à l'encontre de l'arrivée d'une flotte d'extraterrestres très avancée, qui sont en fait ceux dont parle Elena, à savoir les Sealers, les Summers. Donc, le Nordique lui dit, prépare-toi, la mission va bientôt avoir lieu. Et
il y avait des navires, des vaisseaux de différentes nations, tous ensemble, dans un convoi pour aller accueillir des visiteurs extraterrestres d'un autre système solaire, voire même en fait plutôt d'une autre galaxie, vous voyez, donc c'est extraordinaire. Ce qui veut dire en fait que ces extraterrestres, ceux qui ont été impliqués dans les affaires humaines depuis des centaines d'années, voire même des milliers d'années, les bons et les mauvais, si on peut dire, les deux camps, eh bien, ils ont vu l'arrivée de ces semeurs. Donc, ceux qui étaient positifs étaient très heureux. Les extraterrestres positifs étaient très heureux. Waouh, super. C'est comme si la cavalerie arrivait. Les juges arrivent, la cour, etc. Tout le monde arrive. Et donc, du coup, tout le monde allait se calmer et allait bien faire les choses. Et par contre, les involutifs, eux, les régressifs, ils voulaient partir. Eux, ils voulaient s'enfuir. Parce qu'en fait, tout était révélé, tout était vu, tout était enregistré. Donc, ceci confirme bien ce que Elena a reçu de ce contact en 2021, à savoir que les extraterrestres, les régressifs, dracoïens, les Récridorians, les Nebu, les Maitreya, en fait, ils devaient partir et ils partaient parce qu'ils savaient que les choses qu'ils ont faites allaient être enregistrées. Et c'est une des choses que les négatifs ne voulaient pas voir, les régressifs ne voulaient pas savoir. Merci beaucoup infiniment d'être là parmi nous. Cet événement n'a pu se faire. C'est pas Chris Esson qui a fait cet événement. Il y a une personne derrière cet événement, une personne qui travaille, mais qui a travaillé depuis un an, vraiment, mais d'arrache-pied. D'arrache-pied, elle a fait un travail monumental. Et elle s'appelle Agnès Leray. Et il y a une autre personne qui a contribué aussi. C'est Stéphanie, pour ses qualités, pour tout ce qui est vidéo, affiche. Stéphanie, la sœur d'Elena. Ces deux personnes, vraiment, cet événement, c'est grâce à elles. Et vous verrez ce soir, demain soir, le spectacle. Quelque chose d'extraordinaire, grâce à Stéphanie. Merci beaucoup.